Alors, le bureau des temps de la métropole européenne de Lille s'est engagé dans plusieurs types d'actions pour améliorer l'articulation des temps de vie, aussi bien du point de vue du transport, pour essayer d'éviter de perdre du temps dans les heures de pointe, que du point de vue des services, avec une expérimentation qui est lancée auprès des bibliothèques pour essayer d'ajuster les horaires d'ouverture au mieux aux attentes des usagers. On travaille aussi sur les questions d'organisation du travail, justement, donc la mise en place du télétravail, l'encouragement des entreprises du territoire à le faire, mais aussi en interne, le test auprès de nos agents pour peut-être envisager la mise en place du télétravail au sein de la collectivité. Alors, je leur dirais que travailler sous l'angle des temps, c'est apporter un nouveau regard à des politiques publiques. Et donc, il y a pour cela un intérêt. Ça apporte aussi une certaine transversalité. Et je pense que du point de vue des acteurs locaux, c'est vraiment très important. Et puis, travailler sur des politiques temporelles, c'est agir de manière très concrète et très précise pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Donc, je pense, voilà les arguments que je proposerai. Oui, je pense, comme entreprise, comme tous les employeurs d'ailleurs, parce que ce soit effectivement à l'échelle du territoire, elles ont un impact de par les horaires de travail, les horaires de livraison, les horaires d'entretien qui peuvent être faites et qui génèrent des flux, donc elles sont génératrices de flux. Et puis de manière peut-être plus micro, sur la vie des personnes, elles ont aussi un impact forcément sur l'organisation annuelle. Là où ça devient encore plus compliqué, c'est quand ces acteurs-là doivent se coordonner avec d'autres qui génèrent d'autres flux et d'autres rythmes, comme le système scolaire, les modes de transport et les systèmes de transport. Donc bien sûr, oui.